merci d'avoir un jour. Il y a des constructions pour vrai, ils te tirent du jus. Oh, fallait. Oups! It's a wrap! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vidéo aujourd'hui, je suis genre vraiment mais un petit peu trop contente de vous présenter cette vidéo-là parce que ça doit faire à peu près plusieurs semaines que j'avais pensé à ça, mais je pouvais jamais la filmer parce que moi et Claudine, en fond, avec qui j'ai fait la vidéo, on habite plus dans la même ville. Nos horaires sont complètement différentes. On va au cégep, à travail. Je fais mes enfants parce que j'ai pas de job. Fait qu'on a complètement des horaires différents. Sarah Maud, cette phrase-là ne se disait pas. Mais bon, bref, vous avez compris. C'était difficile de faire cette vidéo-là. Puis là, maintenant, on a pu en faire l'affaire. Puis je suis vraiment trop contente. Dans le fond, moi et Claudine, pour faire une histoire courte, on est amis depuis le primaire. Enfin, ça fait des années qu'on est amis. Puis ben, on en a fait des affaires, puis c'était un petit peu fou. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeunes? C'est qu'on mettait une caméra devant nous. Puis ben, on avait créé un groupe qui s'appelait les Cheetah Girls. Puis ben, on dansait puis on chantait. Quelques temps après, ben, on était tannés de faire ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a commencé à faire nos propres sketchs. On s'inspirait de caméra café, puis dans le fond, nous autres, on faisait caméra cappuccino. Sinon, on faisait des rires et délires, on faisait des épisodes de Rythme FM, on se créait des personnages de la radio, comme moi, c'était Bobby Joe de la Rythme FM. Puis ben, c'est ça. Fait que dans le fond, on se créait tout plein de capsules comme ça, puis ben, on faisait le tournage, on le montait, on le mettait sur un DVD, puis on le montrait à notre famille. Bref, c'est vraiment une amie que j'adore, puis pour vrai, Claudine, c'est une amie formidable. Fait que je vais vous mettre ses réseaux sociaux un peu partout dans l'écran ou dans la barre d'infos. Fait que dans le fond, le concept est assez simple, merci. Nos vidéos qu'on a faites quand on était jeunes, genre caméra cappuccino, pis toutes ces patentes-là, ben, on va en prendre un là-dedans. On va piger au hasard. En fait, on l'a déjà fait, c'est juste que je vais vous mettre le clip plus tard. Mais bon, bref. Fait que dans le fond, on prend une de ces vidéos-là, qu'on a faite en 2008, et on va la refaire au complet. Scène par scène, le montage de 2008 dans Movie Maker, les costumes, les textes. Allô tout le monde, c'est Sarah Maud au montage. Je voulais juste vous dire que non, on n'écrivait pas nos textes en 2008. On improvisait. Fait que dans le fond, c'est juste que pour aujourd'hui, ben on a réécrit les vieux textes. Ben, en fait, ce qu'on avait dit dans la vidéo d'avant pour dire quasiment pareil. En tout cas, bref, on va continuer. Bref, tout. Avant de commencer la vidéo, ben je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu, à cliquer sur la petite cloche de notification. Puis dans le fond, cette cloche-là, ça va juste te donner une petite notif qui va te dire « Oh, Sarah tout simplement a publié une nouvelle vidéo », à faire un thumbs up et à me dire dans les commentaires ce que t'en penses de cette vidéo-là. Donc sans plus attendre, ben on va commencer la vidéo maintenant! Vas-y. Clap que si. Yeah. Okay. J'ai mis des cirés à mon show. Elle voulait sniff, moi je voulais smoke. Scusque. Sans brouiller encore. Ah. Qu'est-ce que ça dit un DJ qui rentre dans une fromagerie? Fait du bruit. Ça se passe mal. Ça, il se voit, il y a pas de les brochettes de poulet. Ça en est. Comment qu'on l'arrête? En aide. Moi là, on me friendzone tout le temps. Scusque. Ouf. Triste. Avertissement. Le segment qui suit s'adresse à un public ayant un certain sens de l'humour. Il n'y a aucune présence de maturité. Sur ce, bon visionnement.
Oh my gosh, je me sens comme au cinéma. Bonjour, je m'appelle Alexandra Soufflé et voici mon ami Tom Tic Bob. Bonjour. Bob est un expert en espionnage. Aujourd'hui, il va nous montrer des techniques en espionnant sa famille. Donc, allons-y. Explique-nous comment tu vas faire ça. Premièrement, se camoufler. Deuxièmement, faire aller par là. Puis faire du bruit. Et troisièmement, pour pas qu'ils savent qu'on a fait du bruit, on met du bruit. De Fabrice. Oui. Ok, mais Bob, on va laisser Bob se préparer. D'accord, venez. À tantôt. Qu'ils me reconnaissent, il faut mettre un habit. Et le plus important, la veste d'espion. Il faut pas non plus qu'elle soit très colorée. Faut pas non plus qu'elle soit colorée, parce que sinon ils vont nous reconnaître facilement. D'accord, venez. Je vais laisser la caméra à Bob. Donc Bob va se faufiler avec la caméra. Vas-y, Bob. La technique c'est ver de terre. Avancez comme un ver de terre. C'est fatigant, il fait chaud. On va dans la cabine. Vite. C'était très facile. Mais non, très difficile. Plus ton Bob. Allez sur notre site internet espionalherbe.ca.bob /. Félicitations Bob. / Je t'aime Bob. / En tant que espion en herbe. Ok, alors on se voit bientôt pour un prochain épisode de Espion. Fait que c'est pour moi ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis si ça vous tente de voir une deuxième partie de cette vidéo-là ou tout simplement une autre vidéo du genre, ben dites-moi-le dans les commentaires. Puis ça va nous faire plaisir de faire une vidéo ensemble parce que pour vrai, moi et cette fille-là, on s'entend super bien. On est habitués de faire des vidéos ensemble, fait que ça ne nous dérange pas pendant tout. Merci beaucoup d'avoir regardé et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut! Ah, shit!